c'est Jean-Philippe pour Sport Vie Pratique. Puis aujourd'hui, je vais essayer une astuce que j'ai vue sur Internet. Il paraît que en passant un oignon au micro-ondes, eh bien après, vous ne pleurez plus. Parce que c'est vrai que les oignons frais, ça fait vraiment très pleurer. Donc, je vais tenter l'astuce et puis on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai un peu me sacrifié pour vous. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc, on va commencer par percer des trous un petit peu partout dans l'oignon. Voilà. Des petits trous, toujours des petits trous. Voilà. Un petit peu sur l'ensemble de l'oignon. Et puis ensuite, eh bien, on va mettre l'oignon au micro-ondes pendant. Alors moi, on m'avait dit 30 secondes. Là, je vais plutôt prendre un peu plus large. Je vais plutôt faire une minute. Allez, je vais mettre mon oignon dans le micro-ondes. Puissance maximum, une minute. Et c'est parti. Voilà, la cuisson est terminée. Je vais sortir l'oignon. Je vais les laisser refroidir bien un petit peu. Parce que là, effectivement, il est un petit peu chaud. Bon, je vais essayer de le couper pour voir si ça pique les yeux ou pas. Pour l'instant, c'est pas mal. Bon, il est encore chaud, je vais attendre. Et là, il va être chaud. Je vais essayer maintenant de couper l'oignon, voir si effectivement l'astuce est efficace. Pour l'instant, ça me pique pas les yeux. Par contre, l'oignon est toujours aussi chaud. Mais par contre, ça pique pas. Je vais même prendre une fourchette parce que c'est super chaud. C'est vrai que ça a tendance un peu à bouillir quand même l'oignon. Par contre, là, effectivement, ça me pique pas les yeux. Donc après, je pense que en fonction de ce que vous voulez faire, là, vous mettez ça dans une poêle. Voilà, il y a un morceau qui vient de partir. Super. Oui, je pense qu'effectivement, l'astuce par rapport aux yeux qui pleurent est plutôt bonne. Par contre, c'est super chaud. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais certainement utiliser mes oignons pour les faire frire avec de l'huile d'olive. Mais là, c'est vrai, c'est super efficace au niveau des yeux. Là, j'ai pas pleuré du tout. Et bah écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres astuces